Bonjour à tous, il fait beau, c'est l'été, aujourd'hui je vous emmène en balade. On va se mettre au vert, se ressourcer, retrouver le plaisir de se connecter à la nature. Et puis on apprendra qu'ici, la nature, elle est un peu particulière. Elle reprend ses droits sur des sites qui étaient autrefois utilisés par l'industrie minière. Et on commence par cela. On y va ? Donc merci de nous accueillir sur tes terris. Tu es souvent, tu y es tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Tu les montes, tu les descends une fois, deux fois? Deux fois, là aujourd'hui ce sera trois, ça dépend des fois. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est construit, un terri? Alors, les terris, comment ils se sont construits? Ben déjà c'est un peu grâce à nos mineurs qui descendaient pour aller chercher le charbon et qui trouvaient également aussi des roches qui, elles, ne brûlaient pas. Donc plutôt que de les redescendre, ils les ont stockés sous forme de tas. Ces tas de cailloux, ces tas de roches ont grandi, grossi, ils sont devenus les terris. Et aujourd'hui finalement c'est des endroits où on vient tous se promener, faire du sport et finalement raconter aussi cette histoire-là de nos mineurs. Oui, c'est aujourd'hui c'est vraiment des endroits que la population se réapproprie, parce que c'est vrai qu'au temps de la mine, ces sites restaient fermés. Hein. Aujourd'hui, ces sites s'ouvrent progressivement les uns après les autres et les gens viennent profiter de ces lieux, on va dire nouveaux lieux de nature. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces nouveaux milieux naturels issus de l'exploitation minière ont une seconde vie avec les gens qui s'y promènent, mais aussi avec les plantes, les animaux qui y trouvent aussi leur place. C'est cool ça. C'est chouette quand même cette reconversion. Alors, c'est vraiment très chouette, d'autant plus que sur nos sites, on a l'avantage d'avoir des plantes qu'on n'a pas du tout en région, voire même pas du tout en France, qui se développent rien que sur nos terrisses. Juste ici ? Juste ici, ouais. Et alors, c'est dû à quoi ce micro ? C'est un microclimat ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que ça pousse ici et pas ailleurs ? C'est un microclimat, mais en fait, comme c'est des tas de pierres, hein, on a le grès, on a le schiste, ces roches ont tendance à tirer sur le noir. Et le noir, avec la chaleur du soleil, va emmagasiner la chaleur. Et ce qui fait que c'est vraiment des plantes bien spécifiques qui vont se développer ici, qui vont pousser en premier pour déjà fixer la pente du terri. On a une plante par exemple qui vient du littoral, le pavot jaune, t'en verras tout plein tout à l'heure, en plus là on a une super belle période de floraison, belle fleur jaune, qui elle pousse normalement dans les dunes. Et quand tu regardes une carte, on en trouve tu ici. L'as sur les dunes et t'en as que chez nous dans notre bassin minier. C'est génial. Et alors vous, à la chaîne des terris, vous organisez aussi des visites, des animations, des activités pour justement sensibiliser les habitants, raconter, et pas que les habitants d'ailleurs, il y a aussi des gens qui viennent de plus loin pour découvrir cette histoire-là, et vous les accueillez régulièrement. Oui, voilà, nous, le but à l'association, alors, entre guillemets, une vieille association, hein, parce qu'on a fêté nos 30 bougies cette année. Mais bon anniversaire. Merci. Et le but, justement, c'est de protéger ces terris, mais aussi de les valoriser. Alors on parle de l'histoire de la mine parce que forcément c'est grâce à nos mineurs qu'on les a dans notre paysage, mais aussi montrer que ces terris, c'est pas que ces montagnes noires qu'on avait à l'époque comme on les surnommait. Hein. Qui ça, d'ailleurs sont pas du tout noires en fait. Non, aujourd'hui elles deviennent de plus en plus vertes et montrer que justement de cet héritage historique, on a une deuxième vie, on a une page qui se tourne avec ce côté environnemental. Et ce qui fait justement l'intérêt des sites très très intéressant d'un point de vue écologique. Bon, on essaye de remonter un peu et puis on essaye de me trouver ce pavot jaune dont tu m'as parlé juste avant. Alors, par contre, c'est une des plantes pionnières. Donc les plantes pionnières, c'est les premières qui sont arrivées. Ouais. Dans la colonisation, elles ont déjà monté un peu plus. Ah, du coup, il faut qu'on monte vraiment pour les trouver. On va monter un petit peu alors. On y va. Le fameux pavot jaune. Donc on voit, il y a vraiment plusieurs pieds. Quand on regarde sur la couleur du terri, on a du vert, mais en ce moment, on a aussi beaucoup de jaune qui ressort. C'est grâce à eux. Parce que c'est justement le pavot ici qui est, la bonne qui est en fleur. Et lui, donc, c'est une des premières plantes qui arrive. Fait partie de ce qu'on appelle les plantes pionnières. Et parmi ces plantes, en fait, c'est pas n'importe lesquelles qui arrivent.
parce qu'il faut vraiment qu'elles aiment vivre sur des milieux secs et chauds. Oui. Tu peux mettre ta main au sol, hein, tu vas voir, le sol est beaucoup plus chaud. Ah oui, que carrément. La température de l'air ambiant. Ah oui, c'est dingue. Voilà, c'est ce que je disais avec le sol noir qui emmagasine les rayons lumineux. Ils accumulent, la roche accumule la chaleur tout au long de la journée. Et ça ce qui fait que si une plante n'aime pas la chaleur, elle aura vraiment du mal à pousser ici. Et ici, donc, au niveau de l'adaptation de la plante, c'est tous ces petits poils blancs qu'elle a sur sa feuille. On voit, ça ressemble à de la petite moquette. C'est oui. Tout doux. Et en fait, ça, c'est justement pour résister à la chaleur. Le blanc réfléchit les rayons lumineux. Ah. Comme ça, elle a moins chaud. Un peu toi, comme quand tu t'habilles en blanc. Voilà. Si vraiment il fait chaud, comme la plante respire, elle recrache en même temps de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau reste là et peut être. Ça la rafraîchit, en fait. Et ouais. Oh là là. Pour cette visite passionnante. Mais de rien. Et puis on se retrouve donc tout l'été, toute l'année, sur les terris. Quand vous voulez. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. À la prochaine. Donc, est-ce que c'est beau ici? On se croit en Camargue un peu. Ah oui, le lagunage de Arne. C'est très beau. Et qu'est-ce que c'est un lagunage en fait? En fait, c'est un système qui permet de procéder à l'épuration des eaux usées. D'accord, c'est du recyclage en fait. C'est du recyclage. Alors, plutôt après un premier passage dans des usines un peu plus techniques, on va dire, des stations un peu plus techniques. Mais là, ça permet de terminer le traitement de l'eau avant son rejet au milieu naturel. Et en fait, c'est juste un super lieu de promenade. Ah ben oui, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été, il y a eu le prix du paysage, le prix européen du paysage pour cet aménagement qui a été réalisé par François-Xavier Mousquet au début des années 2000. Et donc, c'est autant un outil technique qu'un bel outil d'aménagement paysager. Et alors, ce matin, avec toi, Gilles, en fait, on suit les berges du parc des berges de la Souchée. On va de Courrières jusqu'à Noyelles-sous-Lance, l'Oison. L'Oison, même. Super. Donc, on va faire ça ce matin. Ça va, on est équipé. On a des vélos électriques, donc c'est facile. Ouais, enfin, assistance électrique. Oui, c'est vrai. Il faut quand même un peu travailler. Du coup, de Courrières à l'Oison, le parc des berges de la Souchée, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est un peu étonnant d'appeler ça un parc. Oui. En fait, c'est la réunion de plusieurs ensembles qui existaient déjà ouais, à l'origine. C'est un nouveau parc, mais finalement, ça s'appuie sur l'existant. En fait, ce qui est nouveau, c'est de considérer l'ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on a fait dans le cadre de la chaîne des parcs, c'est mettre en relation tout un tas d'espaces qui existent, qu'on va qualifier, qu'on va améliorer parfois. Mais on va les mettre en réseau, on va installer de la signalétique, on va créer certains points d'intensité. L'idée, c'est de faire que les habitants du territoire et les gens qui visitent ce territoire-là aient la possibilité, par des chemins confortables, de découvrir toute la richesse de nos espaces paysagers, que ce soit des espaces naturels, comme les forêts, ou que ce soit des espaces aménagés, comme ici un lagunage, ou comme le terri à Noyelles, qui sont a priori pas des espaces spontanément où on a l'idée d'aller se promener, alors qu'au contraire, c'est une vraie richesse juste à côté de chez soi. Ouais, et finalement, c'est quoi? Un linéaire de 10 km, mais finalement, si on s'éloigne un peu des berges, on trouve des ambiances très différentes. Alors ici, on est en Camargue, tout à l'heure, à Courrières, on était dans la forêt. C'est ça aussi qu'on veut montrer dans le parc des berges de la Souchée, c'est finalement cette diversité d'ambiances, de paysages qu'on peut traverser. Tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, 10 km le long d'un canal, au bout d'un moment, ça peut paraître un peu ennuyeux. Mais là, on a toute une épaisseur qui offre des ambiances très particulières, des types d'activités aussi un peu différentes. Au Brochet Arnésien, on va pêcher. Sur le terri de Noyelles, bientôt, on aura un stade dédié à la pratique du trail. On a des grands espaces qui peuvent accueillir aussi des événements. Puis c'est un espace merveilleux pour venir en famille, se promener, courir, pédaler. Et finalement, à chaque fois, ces points d'intensité, ces points d'intérêt, quasiment à chaque fois, il s'appuie sur des lieux historiques, en fait. Il y a 30 ou 40 ans, sur ce linéaire-là, on avait effectivement des installations minières, notamment des usines,
une centrale thermique. Enfin voilà, c'était évidemment pas du tout l'espace qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est le processus de reconversion par étapes successives qui fait qu'aujourd'hui on a cette richesse. Hein. Je crois qu'on n'en prend pas suffisamment conscience. Hein. On est dans un territoire qui est très urbanisé, assez cloisonné par beaucoup d'infrastructures routières, ferroviaires, etc. Mais finalement, on a quand même une richesse paysagère, des grands espaces. Plein d'endroits où on peut se poser, reposer, pratiquer du sport, des loisirs, des activités en famille. C'est super chouette quand même d'avoir ça à nos portes. Voilà, la chaîne des parcs, c'est quand même à peu près 4000 hectares qui vont être progressivement, évidemment c'est un processus long, qui vont être progressivement mis en scène et mis à disposition des habitants de ce territoire, des futurs habitants de ce territoire, des visiteurs. Finalement, on est passé d'une perception un peu négative de l'héritage minier. Bon, là, on parlait des friches industrielles. Aujourd'hui, on parle d'un héritage, on parle d'un patrimoine. On est inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis juin 2012. Et je crois que ce qui est important, c'est de prendre conscience que c'est ça qui fait notre singularité, notre particularité. Donc, il ne s'agit pas de tomber dans une espèce de nostalgie. Non, on va de l'avant. On va de l'avant, évidemment, le territoire est en mouvement. Mais ce qui fait sa singularité, ce qui fait son originalité, et ce sur quoi on s'appuie notamment dans le cadre de la chaîne des parcs, bah, c'est cet héritage de cette longue histoire. Et les terrils, c'est ça qui fait que c'est différent ici. Tout à fait. Aujourd'hui, on a cette richesse qui est là à portée de main, qui n'est pas forcément toujours suffisamment connue. Oui. Mais on est là pour ça. Voilà. Donc la chaîne des parcs doit permettre aux gens de redécouvrir leur territoire. Super. Bon, on avance, on va voir le reste. Ah bah oui, c'est pas fini. Allez, c'est parti. Voilà, notre émission se termine dans un havre de paix, le Marais de la Galance à Noyelles-sous-Lens. Je vous souhaite de profiter de cet été en amoureux, en famille, entre amis, pour vous balader sur le parc des Berges de la Souchée, sur nos terris et sur tous les lieux de balade que notre territoire nous offre. Et puis on se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro dans toute simplicité. À bientôt. Et je m'en vais. Au revoir Hélène. Regarde, un fossile de fougère. Ben si, c'est comme un trèfle à quatre feuilles ici, tu cherches des fossiles. J'y arrive plus. C'est la phrase de trop.